Père et du Fils et du Saint-Esprit, le principe de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. Tous ceux qui font cela sont bien avisés, et sa louange subsiste toujours. Amen. Je vous souhaite à vous tous et toutes la très cordiale bienvenue pour notre culte de ce dimanche 7 février. Je ne sais pas si vous avez vu ou lu dans votre journal préféré, vers la fin de la semaine passée, enfin la semaine avant, pas cette semaine, la semaine avant, un heureux ou une heureuse a coché les 6, respectivement 7 bons numéros de la loterie et gagné ainsi la jolie somme de 37 millions de francs. Une somme qui fait rêver, parce qu'avec 37 millions, on peut se faire réaliser, concrétiser tous les rêves, tous les vœux qu'on porte dans son cœur. Tous les rêves, tous les vœux deviennent réalité. Que souhaiteriez-vous si la bonne fée des contes ne vous accordait pas tous les vœux, mais un seul vœu, n'importe quel vœu? La santé, la fin du confinement, que les petits-enfants et les grands-parents peuvent de nouveau s'embrasser sans crainte, qu'on puisse enfin enlever ces fichus masques. Dans tous les cas, il s'agirait de bien réfléchir et de demander quelque chose de vraiment important, car justement, on aurait un seul vœu. Si vous trouvez un peu étrange la question du seul vœu, c'est pas tant étrange que ça, car c'est un thème tout à fait biblique qui nous accompagnera aujourd'hui et dont la réponse se trouve déjà un peu cachée dans le psaume 111, dont j'ai lu le verset 10 pour commencer ce culte, le principe de la sagesse. Et j'appellerai ça la sagesse du cœur. Vous avez reçu notre livre des psaumes et cantiques en entrant. Nous ne pouvons toujours pas chanter. En revanche, je vous invite à lire les 3 strophes du cantique numéro 55. Le numéro 55, les 3 strophes. De tout mon cœur, je louerai Dieu. C'est le psaume 111 que nous entendrons après la prière d'entrée. Le cantique 55, 3 strophes.
111 que nous venons de lire et peut-être chanter dans notre tête et notre cœur. Je vous invite à vous lever. Seigneur Dieu, nous regardons sur une semaine qui nous a apporté de belles heures et des heures difficiles, des joies et des peines, des espoirs et probablement aussi quelques déceptions. Nous voici réunis devant vous, nous, et nous te prions, accorde-nous ton esprit, esprit qui nous libère des pensées et des sentiments sombres, afin que nous puissions nous accepter nous-mêmes, tels que nous sommes, nous-mêmes, mais aussi nos prochains, et vivre libérés et avec confiance en toi. Donne-nous un moment de recueillement, un moment de silence et de paix. C'est ainsi que nous obtiendrons la sagesse de faire la distinction de ce qui est important dans la vie et de ce qui ne l'est pas. Alléluia! Vive le Seigneur! Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Les actions du Seigneur sont grandioses. Ceux qui les apprécient en font tous l'expérience. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Il est pour toujours fidèle à lui-même. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Il assure l'existence de ses fidèles et se souvient toujours de sa promesse. À son peuple, il a montré sa force en action quand il lui donna le pays d'autres peuples. Fidélité et droit marquent tout ce qu'il fait. Toutes ses exigences sont dignes de confiance, établies pour toujours. Fidélité et droiture en sont les marques. Il a envoyé la délivrance à son peuple, qu'il a lié à lui par une promesse éternelle. Il est le Dieu saint et redoutable. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Amen. Thank you.
plus simplement la littérature de la sagesse, font partie de ce genre littéraire, entre autres quelques psaumes, le livre de Job et surtout le livre des Proverbes, dont nous entendons quelques extraits. Du chapitre 21, les versets 1 à 11. L'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il veut. Chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur juge nos véritables motifs. Pour le Seigneur, une conduite juste et honnête a plus de prix que des sacrifices. Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché des méchants. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Ceux qui acquièrent leur richesse par le mensonge sont des insensés qui courent à la mort. La violence des méchants les mène à leur perte, car ils refusent de se conduire honnêtement. Les criminels suivent des voies tortueuses, mais les honnêtes gens ont une conduite droite. De tout son être, l'homme malveillant désire faire du mal, et il n'épargne même pas son ami. La punition de l'homme arrogant est une leçon de sagesse pour le sot, tandis qu'un homme sensé acquiert de l'expérience pour l'enseignement qu'il reçoit. Amen. Entends, ô Dieu de vérité, nos voix et nos prières. Ce sera difficile d'entendre nos voix si nous entamons ensemble le cantique numéro 406, mais nous voulons suivre ces deux strophes en entendant la musique de ce cantique. 406, les deux strophes. Oui, Père, il en est ainsi
parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Amen. Chers amis, que feriez-vous avec 37 millions de francs? Quel vœu formulez-vous si la bonne fée venait vous accorder un seul vœu? Dans la tradition de la littérature ancienne, et je pense à la littérature dans le Proche-Orient ancien et la Grèce, des légendes qui parlent de ce vœu unique d'une fée, un esprit ou un dieu accorde au mortel son nombreuse. Et parmi les légendes de la Grèce antique, il y a celle des vœux du roi Midas. Midas était un roi mythologique qui a vécu environ 700 ans avant Jésus. Et Midas a donc pu faire un vœu au dieu Dionysos, le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, le dieu de la folie. Et sans y réfléchir longtemps, Midas a souhaité que tout ce qu'il touche se transforme en or. Le souhait s'est réalisé et le roi Midas était heureux. Tout ce qu'il a touché s'est immédiatement transformé en or. Alors vous imaginez, j'ai une Bible en or, j'ai un psautier en or, une feuille de papier en or, un bouquet de fleurs, un classeur, tout ce que je touche devient en or. Jusqu'à ce que Midas ait faim et s'assoit pour manger, il a pris la coupe de vin et ne pouvait pas boire. Il a pris le pain, mais il ne pouvait pas manger. Il a essayé de goûter le rôti, il n'a pas pu. Le vin, le pain, le rôti, tout ce qu'il a touché s'est transformé en or. Et c'est ce qu'il voulait. Finalement, le roi a dû pratiquement supplier le dieu Dionysos de le
libéré des conséquences de son propre œuvre. Que dois-je souhaiter pour ma vie? Quels sont les rêves que je veux réaliser dans ma vie? Je ne sais pas, j'ouvre une parenthèse, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté une fois, mais j'étais il y a quelques années invité à un mariage, une célébration d'un mariage, dans une église du canton Berne, c'était au printemps, et visiblement quelques jours avant, il y a eu les confirmations dans cette église. Alors le pasteur, il a, c'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas, donné des feuilles de post-it et un crayon à toutes les personnes qui ont assisté à cette cérémonie, à cette confirmation. Et à un moment donné, il a invité l'assemblée à noter un vœu pour les jeunes qui ont confirmé l'union de leur baptême. Et ils ont collé ces post-it au mur latéral de l'église. Je dois avouer, je n'étais pas très attentif au dire de mon collègue qui était devant à célébrer ce mariage. Et j'ai lu un peu ces vœux pour les jeunes que les familles, les proches ont formulés. Il y a une feuille que j'ai trouvée très spéciale. Quelqu'un avait écrit « Je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent ». J'ai trouvé ça affreux. Tous les rêves se réalisent. Alors si dans la vie on n'a plus de rêves, plus de vœux, qu'est-ce qu'on en fait? Je ferme la parenthèse. Que dois-je souhaiter pour ma vie? Quels sont les rêves que je veux réaliser dans ma vie? Et quels sont les rêves où je sais que ça doit rester un rêve et c'est bien comme ça? Que des miracles se produisent, que je touche le jackpot et gagne justement les 37 millions. Quand je pose cette question à mes confirmants lors des cours de religion, quel serait pour vous le vœu à se faire exaucer? Ils répondent souvent des choses qui sont vraiment importantes pour eux, un nouveau téléphone portable avec un grand forfait dessus, des beaux habits, mais dès qu'on creuse un peu, dès qu'on gratte un peu, ils se rendent vite compte que pour vraiment réussir sa vie, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Être en bonne santé, avoir des amis, et je dis bien des amis, pas seulement des connaissances, avoir une famille, avoir la chance d'être scolarisé, d'apprendre quelque chose, réaliser que chaque personne compte devant Dieu et pour Dieu. Il y a à peu près un an, notre vie à nous tous a été vraiment bouleversée, a même un peu déraillée. Des choses apparemment évidentes n'étaient plus possibles, elles ne sont toujours pas. Visiter grand-maman, il vaut mieux pas. Partir en vacances, non. Vendredi, avant-hier, le CO de Moa, sur la directive du département d'instruction scolaire, a annulé les cours de sport dans des groupes mixtes. Donc les jeunes ne peuvent plus faire du sport avec leurs copains qui ne sont pas dans la même classe. Tant de choses en été sont toujours annulées. Parfois, c'est l'absence qui nous apprend la vraie valeur des choses. Quel serait notre vœu unique? J'ai dit au début que c'était une idée, une question tout à fait biblique. Et je lis dans le livre, dans le premier livre des Rois, dans le chapitre 3, les versets 5 à 14. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon la nuit dans un rêve. Dieu lui dit, « Demande, que puis-je te donner ?» Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté.
justice cette droiture de cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi, qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter, ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui est de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui, en effet, serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit, « Puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé l'amour de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage, de telle sorte qu'il n'y ait personne comme toi, avant toi et qu'après toi. Il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, de la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Chers amis, Salomon demande un cœur qui est de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Il ne leur manque pas la chance, ni la richesse, ni le pouvoir. Et il nous apprend ainsi, le vrai riche n'est pas celui qui transforme en or tout ce qu'il touche. Et pour être vraiment riche, il faut avoir le cœur ouvert pour les autres et pour soi-même aussi. Être sensible et avoir le sens de ce qui est bon pour moi et pour les autres. Jésus a donné l'exemple. Il a montré ce que signifie être attentif et montrer du cœur à ceux qui ne connaissent que le rejet. Être attentif aux personnes en marge, aux pauvres, aux étrangers, aux rejetés. Ce n'est pas que tout ce que je touche se transforme en or qui rend ma vie riche, mais que je sois juste avec les autres, que je vive généreusement et que je sois reconnaissant pour ce que j'ai. Et vice-versa. Si les autres me traitent comme je devrais les traiter, alors j'ai besoin de Dieu pour voir cela aussi, en être reconnaissant. Quelque chose de nouveau s'est produit et se produira chaque jour quand je commencerai à vivre de cette façon, que je sois reconnaissant pour tout ce que j'ai avec les autres, que je donne et que je sache que cela ne me rend pas pauvre, mais riche. Le renoncement n'enlève rien. Il donne la grandeur du simple, dit le philosophe Martin Heidegger. Une petite phrase que j'ai notée sur le papillon, le flyer, que vous recevrez bientôt dans le contexte de la campagne du jeûne, la campagne des œuvres des églises. Quand je donne, ça ne me rend pas pauvre, mais riche. Là, une telle chose est semée dans le cœur. La vie porte des fruits en abondance. Amen. Mmh.
invite à vous lever pour la prière d'intercession que nous terminerons avec le Notre Père. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi tels que nous sommes, avec nos espoirs et nos déceptions, nos joies et nos soucis, et nos vœux les plus secrets. Nous te prions pour toutes les personnes qui portent un fardeau, ne les laisse pas désespérer. Pour toutes les personnes qui se sentent seules et abandonnées, donne-leur la certitude de ta présence. Pour toutes les personnes qui souffrent des guerres et injustices de ce monde, guéris les blessures du corps et des âmes. Nous te prions pour toutes les personnes qui pleurent un être cher. Et nous pensons ce matin tout particulièrement aux familles et aux proches de Marguerite Marty Brunner, née le 8 décembre 1933. Est décédée le 18 janvier. Marguerite Marty était domiciliée à Morat, au Beinhausweg. Et nous pensons à la famille aux proches d'Eliane Dagon Freiburghaus, née le 6 mai 1935 et décédée le 19 janvier. Eliane Dagon était domiciliée à Vienne, où le service funèbre a eu lieu. Toutes les deux ont trouvé ou trouveront leur dernier repos au jardin du souvenir de notre cimetière, ici à Mairie. Nous te prions, Seigneur, donne une lumière et la présence d'autres qui supportent avec les familles en deuil leur âme. Aucune parole, aucune pensée est perdue devant toi. Nous te remercions pour ton amour et ta fidélité. Et ensemble nous prions, comme Jésus nous a appris, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il faut qu'en Dieu l'on se confie. La paix du cœur se trouve en lui. Dans le numéro 392, nous entendons et nous lisons les trois strophes. 392, trois strophes. Thank you.
Christine pour ses services, ainsi qu'à Roland Chervet pour les lectures. Le programme de nos paroisses pour la semaine ou les semaines à venir, vous le trouvez dans le messager paroissial, bulletin, toujours sous réserve de modifications, et je dis bien modifications au pluriel, à la dernière minute. Pour cela, il est sage, on est de nouveau dans la sagesse, de consulter notre site qui est probablement pour le moment le moyen le plus actuel de vous communiquer nos activités. Sont prévus des cultes pour dimanche prochain, 14 février, à 10h, à Riette, près de Chiette, culte célébré par le pasteur Feuchtli, dans 2 semaines, à 20h, à Courlevent, à l'ancienne école, culte du soir, avec moi-même. Dans le bulletin, c'est écrit qu'il faut s'inscrire pour ces cultes. Vous verrez dans le bulletin du mois de mars que cette mention sera plus imprimée. Nous avons vu que l'influence n'est pas telle que nous pouvons, que nous nécessitons vraiment ces inscriptions. Si vous vous inscrivez, c'est sympa, et sinon, vous êtes les bienvenus aussi. Il y a assez de place dans l'église pour garder les distances. J'ai perdu le fil. Voilà, oui, la collecte, c'est ça que je voulais encore vous dire. La collecte que nous mettons ensemble à la sortie est une collecte cantonale dans toutes les paroisses du canton protestant, du canton de Fribourg. La collecte de ce dimanche ou de dimanche prochain pour, en faveur de la main tendue. Je vous lis le message du conseil synodal pour cette collecte. Par la collecte du dimanche 14 février, donc chez nous une semaine avant, parce que dimanche prochain il n'y a pas de culte, nous vous proposons de soutenir la main tendue, service privé de secours par téléphone, disponible 24 heures sur 24, jour et nuit. Toute personne se trouvant seule, désemparée, peut prendre contact avec une autre personne par le numéro 143. Par le dialogue, l'appelant qui peut rester anonyme sera écouté, recevra conseil, encouragement et partage pour trouver aide et réconfort. Et celui qui est seul, qui pensera à lui, qui lui apportera un mot de soutien, une parole chaleureuse, peut-être la main tendue. Par vos dons, vous donnez la possibilité à la main tendue d'accomplir sa tâche, car les locaux, le salaire des collaborateurs engagés entraînent des frais élevés. Nous vous recommandons particulièrement cette offrande et vous remercions de tout cœur pour votre générosité. Je vous recommande cette collecte aussi, et moi aussi je vous remercie pour vos dons. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Mais avant, je vous souhaite encore une toute bonne semaine, un bon dimanche et une excellente semaine à vous tous et toutes. Demandons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Allons dans la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur. Amen. Thank you.
Amen.